je vais vous faire découvrir cette magnifique plante. La raison pour laquelle je le fais, c'est tout simplement pour continuer dans la lancée selon laquelle nous avons un sérieux problème. Vous allez voir quelque chose. Lorsque vous arrivez dans un pays, la première chose que nous cherchons généralement, c'est les hôtels moins chers. C'est un réflexe. Nous cherchons des choses moins chères. Lorsque nous voulons acheter, nous allons chercher à acheter des choses moins chères. Au point où, lorsque quelque chose a un prix un peu élevé, on refuse totalement. On estime que c'est trop élevé, que c'est trop cher. Mais les Seychelles, je dirais à la limite, ici aux Seychelles, c'est un pays qui défie toutes ses lois. Ils ont fait en sorte que, quel que soit ce qui se passe, il faut mettre du prix. Et tous ceux qui arrivent dans ce pays le savent. Ils savent qu'ils vont dans une architecte où le niveau de vie est assez élevé. Sachant cela, la majorité des gens qui viennent ici sont déconnectés. Il faut encore se poser cette question. Pourquoi ne nous positionnons-nous pas exactement où il se doit? Pourquoi ne nous positionnons pas où les gens viennent dépenser de l'argent? Parce que, quel que soit ce que nous venons sur chaîne, ça a un coût et ça n'est pas des moindres. La majorité des gens qui viennent, vous déjà dit et vous l'avez dit et vous l'avez dit encore, la majorité des gens qui viennent aux Seychelles, ce sont des gens qui mentent. Ce sont des gens qui ont moyens. Contrairement à d'autres pays où on arrive, n'importe qui peut se lever et se balancer là-bas et commencer à vivre n'importe comment. Dès l'aéroport du Seychelles, il arrive vers le moment. On cherche à savoir combien vous avez suivi. Parce qu'ils savent que leur pays est un pays. Il y a une difficulté. C'est une raison en plus que nous puissions comprendre qu'il y a un bon marché saisi. Et vous devez avoir notre parc d'hôtel, notre lieu de l'hébergement. On doit prendre notre part dans ce marché. Vous savez, lorsque vous arrivez ici, vous avez tendance à croire qu'il y a des hôtels partout. Mais croyez-moi, 90% des hôtels sont full. Vous allez dans les hôtels, on vous dit c'est full. On vous dit c'est surbooké, surbooké. Je vous ai demandé pourquoi c'est autant surbooké. Pourtant, les prix ne sont pas à la portée de tous. Il faut se poser cette question. Si les prix sont élevés et c'est tout le temps surbooké, c'est parce que les gens qui y viennent, c'est les gens qui ont des moyens. C'est pour cette raison. Encore les frères de votre famille. Nous avons intérêt à prendre notre part. N'oubliez pas que c'est un pays qui siège à l'Union africaine. C'est un pays qui siège à l'Union africaine. Mais il faut comprendre sa position. Et malheureusement, nous avons déserté, nous avons fui, nous sommes dans des choses, dans des secteurs qui demandent de bagarrer, qui demandent de faire excessivement d'efforts. Alors qu'ici, j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Vous avez un espace, vous avez prenu une maison, vous mettez en location, vous avez accompagné, vous avez vous enregistré aux entreprises de secteur touristique, vous êtes accompagné et c'est comme ça que ça marche. Parce que les amis, c'est il faut y vivre pour comprendre. Quel que soit ce que je dirais, vous vous direz que non, c'est pas forcément ça. Il faut finir pour comprendre. Nous venons de finir la formation sur le tourisme, nous venons de finir le tourisme entrepreneurial, où on parle de la formation sur le tourisme, mais tous les participants, étaient tous éblouis, ils étaient tous ébahis. Certains m'ont dit qu'ils reviendront ici. La majorité, certains m'ont dit que je reviens à ma famille. Donc c'est une occasion de nous positionner, de marcher où ça se passe, de nous mettre où ça se passe, où les choses se passent. Parce que autrement, nous allons demeurer ce que nous sommes, en train de faire les mêmes positions. Et on ne vous demandera pas grand chose. Préparez-vous simplement, les amis, préparez-vous les frères. Dès que les choses seront sur pied, je vous ferai savoir et je vous inviterai à mettre la main pour qu'on puisse construire. Soyez, soyez que nous pouvons mettre sur cet archipel. Si nous ne rêvons pas grand, il est normal que nous rêvons grand.
osons les grandes choses. Allons vers où les choses se passent. Allons où tous les autres font. J'ai toujours dit une chose. Observez très bien les mouvements des autres. Lorsqu'ils vont régulièrement quelque part, allez se positionner là-bas. Quand vous voyez qu'ils se dirigent quelque part, c'est parce qu'ils ont des grands projets. Ils savent faire des choses. Ils savent qu'ils marchent. Pour cette raison, j'insiste et je le dirai encore. Observez très bien les gens comment. Quelle est la direction? Quelle est la direction que les autres prennent? Allez vers cette direction. C'est parce qu'il y a un capter notre part dans ce match. C'est décidé pour tendre notre part. Et je sais que vous me suivez dans cette compétition. Vous serez des nôtres. Nous serons ensemble. Nous devons marquer nos campagnes. Nos arrières petits doivent être fiers de nous. Tels que nous voyons aujourd'hui. Nos arrières petits doivent être fiers de nous. Pour cela, je vous dis encore merci infiniment, les frères. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas de partager l'invité. Invitez, envoyez le maximum de frères qu'ils puissent rejoindre le navire. Qu'ils comprennent que nous avons un gros combat devant nous. Nous devons développer cette stratégie également. Nous devons développer cette. Je ne sais pas si on va appeler ça qualité ou bien cette vertu. Mais nous devons développer, comprendre comment les autres marchent, comment ils fonctionnent, nous adapter, puis les gagner dans leur propre jeu. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. On a des éléments, on a des exemples. Des gens qui ont créé quelque chose, certains sont venus comprendre le fonctionnement, les gagner dans leur propre jeu. Et c'est ce que nous devons faire. Pour cela, je vous dis encore merci infiniment pour votre courage. Merci Sanko, et merci à tous pour nous sur notre domaine, le conseil des matières premières, responsable de la meilleure sphère. Je vous fais ce message pour vous aussi cher. À bientôt, à la fin.